Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mardi 9 juillet 2024. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, petite philosophie du matin, chagrin. Malgré le chagrin, malgré la tristesse, il y a toujours une leçon de sagesse à tirer de la perte d'un être cher. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé le masque. Waouh, moi ça me parle le masque. J'ai mis un masque pendant des années. Il a fallu vraiment que je fasse un grand, grand travail sur moi pour enlever ce masque. Mais j'y suis arrivée. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être parfois, eh bien, pour vous protéger de certaines situations, pour éviter peut-être de souffrir ou de revivre une blessure du passé, vous avez peut-être cru qu'il était bon de porter un masque, eh bien, pour cacher votre opinion, et ce que vous pensez vraiment. Et c'est ainsi que, eh bien pour vous, tout semblait beau et magnifique. Aujourd'hui, eh bien, pour finalement être libre de penser et être bien dans votre peau, cette carte, elle vous demande de laisser tomber ce masque. Ce masque rempli de peur. Et de vous autoriser, eh bien, à être authentique, à être vous-même. Ce masque est inutile. Enlevez-le avec amour et sans agressivité. Aujourd'hui, osez être vulnérable et présenter votre vrai visage. Osez être vulnérable. Osez, eh bien, vous montrer dans votre condition humaine, telle que vous êtes. Osez être vous-même, audacieusement, sans vous laisser intimider par vos peurs. Vos peurs de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. En laissant tomber votre masque, vous serez la personne la plus heureuse que vous connaissez. Être authentique, ce n'est pas seulement de ne pas mentir, c'est aussi d'oser affirmer, eh bien, tout simplement votre vérité et d'être vrai envers vous-même. Ça, c'est le plus important, n'est-ce pas? Waouh, moi, ça me parle énormément. Rituel du masque. En un, refuser de vivre dans la négativité des autres. En osant dire non, vous avez le droit. Laissez exprimer tout ce que vous êtes avec votre énergie positive en disant « eh bien oui » à ce qui vous fait vibrer. Et en deux,
Eh bien, soyez dans votre lumière et exprimez franchement qui vous êtes, et ce, avec calme, n'est-ce pas? C'est important. Calme et franchise. Le temps où vous gardiez pour vous ce qui vous dérangeait jusqu'à en être à bout est terminé. Décidez aujourd'hui. Vous exprimez sainement et quotidiennement en nommant ce qui est. Cela vous permettra de garder votre calme et de développer une confiance beaucoup plus grande. Et ainsi, eh bien, permettez-vous d'utiliser cette pratique de l'authenticité comme un mode de vie. De nouveau, quel beau message, n'est-ce pas? Aujourd'hui, décidez de laisser tomber le masque ou la carcasse que vous vous êtes mis. La carcasse que vous vous êtes mise pour vous protéger. Waouh, quel beau message. Je termine. Pensée positive, et aujourd'hui j'ai pigé. Je suis en harmonie avec mon témoin intérieur. Mon témoin intérieur m'aide à demeurer centré, ancré et calme. Il veille sur moi. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.